Ce que je retiens, c'est que l'immobilier de bureau est en train de changer et de façon drastique. Ce que je retiens, c'est que la flexibilité et le service sont les deux mots que tout le monde avait à la bouche et que la flexibilité ne sera plus seulement marginale, elle va devenir structurante dans le mix immobilier des entreprises. Ce que je retiens, c'est que notre vision du bureau-hôtel commence à avoir beaucoup de traction. Et le bureau-hôtel, c'est quoi selon Comet? C'est un lieu où un mélange de bail rigide, de flexibilité à l'année, à la journée, voire à l'heure, cohabite dans le même lieu pour proposer une triple proposition de valeur. Pour l'utilisateur, employé, eh bien, un lieu très servicé qui soit comme un hôtel bien mieux qu'à la maison et qui lui donne envie d'aller au bureau. Pour l'entreprise utilisatrice, un lieu flexible où enfin elle dépasse le 45% d'occupation réelle qu'elle vit aujourd'hui en ayant des surfaces qu'elle ne va payer que lorsqu'elle les utilise. Pour l'investisseur immobilier, enfin, derrière, la capacité à être en possession d'un actif qui génère un cash flow qu'aucun autre actif de bureau ne peut aujourd'hui générer. Voilà ce que je retiens du Big Up le 23 avril chez Comet.